La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a déposé plainte vendredi après avoir reçu un nouveau courrier antisémite, a appris samedi Le Parisien. Adressé à la permanence de la députée des Yvelines, au Vésinet, ce courrier porte notamment l'inscription « Putain de juive » au verso. L'écriture est identique à celle qui figurait sur deux courriers similaires, pour lesquels des plaintes avaient déjà été déposées en juin et en septembre, a constaté la police. L'enveloppe n'a pas été ouverte et placée sous scellé. Une enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes, BRDP. Il s'agit de la 23e ou 24e plainte, déposée en un an par Yaël Braun-Pivet, a indiqué son entourage aux Parisiens. La députée des Yvelines saisit la justice à chaque menace de mort et signale les menaces reçues sur les réseaux sociaux à la plateforme Pharos, nous a-t-on également précisé. Je reçois continuellement des menaces antisémites depuis que je suis élue, et elles se renforcent, avait estimé mi-octobre sur France 2 la présidente de l'Assemblée nationale, placée sous protection policière renforcée depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre. Je me suis toujours dit qu'en faisant de la politique, je ne courberai pas les chines, je ne rentrerai pas la tête et que mes valeurs sont plus fortes que toutes et que je les assumerai jusqu'au bout, avait-elle alors affirmé. Yaël Braun-Pivet s'était également rendue en Israël après l'attaque du Hamas. Cette visite avait notamment été critiquée par le leader de la France Insoumise, LFI, Jean-Luc Mélenchon, qui l'a accusé de « camper à Tel Aviv pour encourager le massacre » à Gaza. Connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincu qu'effectivement le mot « camper » n'a pas été choisi par hasard et que le fait que je favorise les massacres, c'est à nouveau une nouvelle cible qu'on me met dans le dos, avait réagi l'intéressé, se disant « très choqué ».